Voilà les amis, donc le poids a été contrôlé, je suis à 82,1 kg après des charges d'eau, donc magnifique, on a bien remonté au niveau du poids, on a enlevé toute la flotte, donc c'est pour ça que je ne suis pas remonté beaucoup au niveau du poids, mais là maintenant, comme j'étais à jeun, je vais commencer à manger, donc ça va me permettre de regonfler un peu plus, et on va continuer à évacuer de la flotte tout en mangeant, donc ici on va sûrement prendre 1,5 kg facile, 1,5 kg facile, jusqu'à ce que je monte sur scène. Donc voilà les amis, allez, je vais manger et je vous dis à tout à l'heure. Allez les amis, c'est parti. En plus, on est accompagné par le soleil, donc c'est top. Voilà, tout est prêt. Maintenant, direction Breda pour la compétition. Donc là, on est occupé de charger la voiture. Et on est parti, let's go. Voilà, on est sur la route. J'ai mes petites princesses derrière. Salut les filles. Salut. Ça va? Ça va. Vous êtes en forme? Oui. Allez, c'est cool. J'ai ma coach personnelle qui est là aussi, toujours au poste. Voilà, allez les amis, on se voit à Breda, il est temps. On vient d'arriver donc en Hollande, donc j'ai pu me reposer, ça se voit un petit peu sur mon visage, j'ai dormi un peu dans la voiture, ça m'a fait du bien. Alors maintenant direction le tanning, et on va aller se mettre en backstage, on va aller se poser un peu, allez, let's go les amis. Hello with my bro. Yeah, buddy, let's do this. Voilà les amis, donc la douche de tan est faite, je vous montre un peu ma chair. Hop. Voilà, je ne fais pas plus. Je vais aller maintenant me reposer, je vais aller me recharger un petit peu. Et puis après on attend notre passage sur scène. Les amis, je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Hello. Hey. Comment ça va? Bien, bien, et toi? Ouais, ça va. Ouais. Oui, ça c'est nickel, ouais. C'est bien visible, c'est nickel. Ouais, c'est ça. Ouais. On verra maintenant. Un peu de pompe, oui. Classic bodybuilding. Ouais, c'est ça. Et toi, une fois pomper. Ouais, une fois qu'on va commencer à pomper, ça va aller. Hein. Exactement, là. Ah, ils sont assez cool. Donc. Il y a des quiz. Oui, très belle. En fait, court, mais c'est génétique. Ouais. La couleur. Voilà les amis, maintenant on va se reposer un petit peu. Donc d'ici un quart d'heure je pourrais manger un peu. Je peux pas trop non plus remplir le ventre. Donc juste manger ce qu'il faut. Et voilà, se reposer, attendre que le tour passe. Boum. Honneur à mon sport de prédilection qui est le karaté, donc j'ai choisi les couleurs de Bruce Lee. Boom. Et voilà. We'll be right back.
For my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, wait. For my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. In spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tok's picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects, never asking for someone's help. Or to get some respect, he's only focused on what he wrote. His will is beyond reach, and now it all unfolds. The skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear. Be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Why you hey everyone, Hey, super!
vivante. This is it. The all top shape, four different physiques. I wonder what the judges will do. Ja, dat is inderdaad heel erg goed. Dit is een kwestie van anders met meer vergelijken. Vier mannen in top shape. Maar inderdaad, voor de laatste time, voor het turn to the right. En waar gaat de volgende van het publiek dan aan uitvragen? Come on, Seth! How are you doing? Yeah! Facing front, men's muscular physique. Come on, Seth! Congratulations, gentlemen, all of you. We see you later for the results. Zoals André al zei, zijn ze alle vier van internationaal niveau. Op de vierde plaats is geëindigd Jeroen Giesbens. Op de derde plaats is geëindigd Mounir El-Jeté. Meneer wint de New Faces Siggy. Met 7 tegen 8 punten. En dus de check voor de beste New Faces. Meneer El Zintelli. Meneer de beste New Faces, dames en heren. 200 euro gestanden door. Gezond verwarmen. Oké, zoals ik al zei, 7 tegen 8. 1 puntje verschil op de tweede plaats is geëindigd. Ignaas van der Leyen. En winnaar is voor de Rosario Lamarca. Paid my dues, time after time. I've done my sentence. But committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on. Voilà les amis, on l'a eu, cette première place. Peace. Voilà, je suis vraiment content. Je tiens vraiment à vous remercier tous pour votre soutien, tous vos messages. Merci beaucoup, énormément, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, on va aller manger un bout, on va aller s'enlever le tan et on va aller se reposer. Voilà, et demain, on réattaque pour la semaine prochaine, Diamond Cup Portugal. Donc, je vous remercie tous. Mon coach, il est là. C'est grâce à lui que j'ai cette putain de chip, les gars. Et donc, voilà. Boum, à très bientôt.